TV Wallonie ne sera jamais une télévision comme les autres. Rencontrés par hasard dans une manifestation improbable, nous avons décidé d'apporter notre soutien à Amel Djemail et ces drôles de dames qui ont décidé, puisque pour la plupart d'entre elles, elles en ont été victimes, de lutter pour la prévention en matière de cancer du sein. Les secrets d'une victoire. Quel drôle de nom, allez-vous me dire? Eh bien oui, mais si vous nous suivez régulièrement sur TV Wallonie, vous savez ce que c'est. C'est une plateforme pour la prévention du cancer du sein. Et si nous sommes ici aujourd'hui soir à Sambreville, eh bien c'est tout simplement parce qu'il se passe un événement étonnant, un très bel événement, une soirée au profit de cette plateforme. Et nous avons rencontré pour vous, pour commencer, la présidente et la créatrice de cette plateforme. Amel Djemail, plus personne n'ignore ton nom à présent puisque tu es déjà venu auprès de nous, tu étais à Animals Day 2019. On sait ton combat, ta plateforme, les secrets d'une victoire. Mais je voulais commencer avant de te donner la parole, pour te dire un petit quelque chose. D'abord, je suis très heureux de t'avoir rencontré. Tu as couru derrière notre équipe dans les escaliers du Palace à Liège lors du festival du film policier. On ne savait pas du tout qu'on allait te rencontrer, on ne savait pas qui tu étais. Et petit à petit, il y a quelque chose qui s'est passé entre nous, il y a une amitié qui est née. Et puis, comme on est à l'approche de Noël, je voudrais te dire que TV Wallonie a envie de déposer quelque chose au pied de ton sapin. Mais c'est tout simplement, bien sûr, notre amitié, mais aussi une petite proposition qu'on a à te faire, c'est de devenir ta plateforme médiatique pour ton ASBL. Alors voilà, ce qu'on va faire, eh bien, c'est te suivre. On ne peut pas te promettre d'être chaque fois là, hein, bien sûr, mais en tout cas, de répéter auprès de ceux qui nous regardent ce que tu fais, nous faire rapporteur et puis aussi te soutenir inconditionnellement du 1er janvier au 31 décembre. C'est notre petit cadeau. Joyeux Noël, on n'est encore que fin novembre, mais j'espère que ça te fait plaisir. Et en tout cas, il y a beaucoup d'émotions ce soir à Sambreville, qui est ta ville natale. Alors dis-nous un petit peu ce que tu ressens, toi, à part toute cette émotion. Mais tout d'abord, merci pour le beau cadeau. Franchement, merci pour cette amitié. C'est vrai qu'on s'est rencontrés il y a peut-être une année. C'était en mars. En mars, même pas. Et puis, il y a des amitiés comme ça qui vont directement à l'essentiel. Et vous en faites partie. Et puis, je fonctionne un peu à l'instinct, au coup de cœur. Et je pense que c'est un gros coup de cœur que j'ai eu avec vous aussi. C'est beaucoup d'émotions ce soir parce que je suis entourée ici des ambassadrices de la plateforme. Parce qu'on vit aussi certains moments difficiles au sein de la plateforme. Il y a des traitements qui sont en cours pour certaines et donc on est là, soudés et on essaye de tenir bon. Et parce qu'aussi les deux années précédentes ont été intenses au niveau des activités de prévention et de sensibilisation. On est là, on est sur le terrain, c'est quelque chose qu'on fait le soir, le week-end, en dehors du boulot, donc c'est pas notre activité principale. Et comme tu l'as souligné, on est un peu sur tous les fronts. On a distribué cette année 50 000 marque-pages, 40 000. L'année passée, 50 000. On est presque à 90 000 marque-pages dans toute la Belgique. Des supports de prévention, des t-shirts, des badges. Voilà, je ne sais pas par où commencer. Une pétition aussi qu'on avait lancée au niveau des mesures restrictives de Maggie de Bloch et qui a soulevé un arrêté royal, mais on n'a pas eu de retour par rapport à ça. Et dans un pays où une femme sur huit est touchée par un cancer du sein, les hommes aussi sont touchés. Il y a encore pas mal de choses à faire au niveau politique, au niveau des activités, au niveau des actions. Nous, on fatigue aussi parce qu'on est passé par la maladie, on a eu des traitements lourds. Comme je le disais, certaines ont encore des traitements, mais je pense qu'on peut être fiers. Là, aujourd'hui, c'est parfois compliqué pour moi de le dire, mais je pense qu'on peut être fiers de ce qu'on a. On a réalisé et on a bâti sur rien à la base, sur une maladie. C'est pas rien, mais je veux dire avec peu de moyens. Et je pense que maintenant, on est entouré de personnes vraiment bienveillantes. Et c'est vraiment ce que je recherche aussi. C'est à Sambreville que l'association Les Secrets d'une Victoire avait décidé d'organiser un superbe concert au profit de leur combat. C'est ainsi que nous avons pu assister à une superbe prestation de l'orchestre du conservatoire d'Auvelais, placé sous la direction de Madame Émilie Antoine, qui nous a fait voyager dans l'univers des musiques de films. Thank you.
Nous avons également rencontré les ambassadrices de l'association qui ont gardé un moral d'acier et luttent au quotidien pour sensibiliser non seulement les femmes, mais également les hommes, que ce fléau n'épargne pas non plus. Vous êtes des ambassadrices de charme, voilà, mais des ambassadrices actives. Alors c'est quoi être une ambassadrice dans une plateforme comme celle-ci ? Alors la première chose, c'est participer aux campagnes de sensibilisation au cancer du sein, en distribuant par exemple nos marque-pages lors de grands événements, en allant dans des commerces, en allant un petit peu partout. On a un focus sur les femmes jeunes, parce que souvent on croit que ça n'arrive qu'aux femmes plus âgées. Alors c'est aussi essayer de rassembler tous ces trucs et astuces qui nous ont aidés pendant la maladie, que ce soit dans le domaine somatique, psychique, dans de la médecine parallèle, pour constituer un site internet par province belge, pour que quand une femme a un cancer du sein, elle n'ait plus qu'à cliquer sur sa région et savoir où se rendre pour trouver des choses qui peuvent l'aider. Alors ça peut aider une femme, ça peut ne pas aider une autre, mais en tout cas c'est là et c'est important que ça se sache. Emma, tout à l'heure vous avez pris la parole en début de soirée et Emma nous a parlé que vous prenez les choses avec humour. C'est extraordinaire ça, oui, c'est possible? Oui, tout à fait, c'est possible et c'est le but aussi de la plateforme. C'est, dans ces cas-là, il faut toujours garder le sourire, rigoler, c'est important. Et aussi, je pense que les mots importants, c'est la solidarité et le soutien. Donc c'est possible. C'est une confirmation de ce que nous pensions, nous aussi, parce qu'on fait souvent des analyses comme ça. C'est dans les situations les plus terribles. Tout l'humour juif est né à Auschwitz. Toutes ces blagues sont nées des moments abominables, finalement. Hein. Alors, c'est pas rose tous les jours de travailler comme ça, parce que c'est en plus de votre boulot. Pour le moment, je suis toujours en arrêt, donc je me consacre à 50% à l'ASBL. Et bon, je suis encore en cours de traitement, chirurgie, etc., qui doivent arriver. Mais voilà, on se soutient et ça nous donne la force, en fait, de continuer et de partager notre expérience avec d'autres personnes qui ont les mêmes, qui sont dans le même cas que nous. On s'en sort très bien. Il y en a qui s'en sortent bien, d'autres moins bien. Et voilà, on essaie un peu de les accompagner, de sensibiliser aussi beaucoup. Beaucoup de sensibilisation, parce que la sensibilisation et le dépistage, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est ce qu'on a envie. Enfin, personnellement, j'ai eu mon cancer à 35 ans. Et on ne m'avait jamais appris à m'autopalper. Donc voilà. Et c'est ça que j'ai envie de véhiculer vers les plus jeunes. D'apprendre à l'autopalpation. C'est une plateforme de prévention, mais c'est presque curatif aussi, quelque part. Effectivement, donc on l'a assez souligné, mais puisqu'on met la rigologie en avant, le rire nous permet justement d'oublier les difficultés de la maladie. Pour ma part, je n'ai pas été touchée par la maladie, mais comme le message me touche énormément, mais je suis quotidiennement avec mes amis ici présentes pour véhiculer un maximum et sensibiliser les personnes touchées par cette maladie. Donc il est clair que voilà, le rire et beaucoup de légèreté aussi, on prend pas mal de légèreté dans ce qu'on fait et ça nous permet justement de grandir plus vite et d'avancer plus loin. Je pense que c'est ça qui différencie aussi l'ASBL, c'est justement la légèreté et de prendre les choses autrement. La légèreté, ça ne veut pas dire ne pas considérer, c'est aller au-delà de la difficulté et se donner les moyens de traverser la montagne plutôt que de rester face à la montagne. Longue vie et bon courage à Amel Djemail et ses amis que nous continuerons à suivre et à encourager et soutenir dans leur démarche.